Bonjour, soyez tous les bienvenus sur 7 Prof, notre rendez-vous du donner et du recevoir. Oui, 7 Prof, c'est apprendre autrement. On assiste aujourd'hui à une utilisation abusive de la majuscule. La majuscule n'est plus seulement cette marque qui permet de commencer une phrase, mais elle est aussi un moyen à l'écrit de séduire, de flatter ou d'attirer les faveurs d'une personne qui nous lit. Oui, la majuscule ETI est une marque à l'écrit. Elle peut s'utiliser pour les noms et les prénoms de personnes. Exemple, Nelson Mandela. On écrira Nelson avec un N majuscule, Mandela avec un M majuscule. Arthur Rimbaud. Alors, on écrira Rimbaud ici avec un R majuscule et Arthur également. Pourquoi? Parce que ce sont des noms de personnes. Les majuscules aussi sont utilisées pour désigner les noms de Dieu ou des personnes qui sont sacrées. Quand on dit le Tout-Puissant, ici, tout s'écrira avec un T majuscule, puissant avec P majuscule. Pourquoi? Parce qu'il s'agit ici le nom de Dieu. La même chose pour Jésus-Christ. On mettra un J majuscule et un C majuscule. La même chose quand on dira la Vierge. Il ne s'agit pas ici d'une quelconque Vierge, mais ici on fera référence à la Vierge Marie qui est une personnalité sacrée. Alors on mettra un V majuscule. La majuscule est également utilisée pour désigner des races, des habitants d'une partie, d'une zone, des peuples, des ethnies. Exemple, quand on dit les Noirs et les Blancs. Ici, noir, on écrira noir avec un N majuscule et blanc avec un B majuscule. Les Libre-Villois, les Port-Gentillais, Libre-Villois avec un N majuscule, Port-Gentillais avec un P majuscule. Pourquoi? Parce qu'on parle ici des habitants d'une partie du Gabon. Les Sud-Africains, on mettra Sud-Africain S majuscule, Africain avec un A. Les Wolof, par exemple, on mettra un W majuscule. On utilise également les majuscules pour les titres. Oui, les titres honorifiques. Quand on dit monsieur, madame, mademoiselle, ici on mettra un M majuscule parce que c'est un titre que l'on octroie à quelqu'un. Mais nous constatons souvent que quand on abrège monsieur, on met MR. Or, MR, ici, c'est de l'anglais pour dire mister. Or, en français, on écrira, pour abréger monsieur, on mettra M suivi d'un point. On utilise des majuscules pour désigner les institutions, les départements ministériels et les fonctions. Quand on parle du Sénat, le Sénat a un rôle législatif, on écrira Sénat avec un grand S. La Cour des comptes, ici Cour avec C majuscule et oui, pour cours et compte avec C majuscule. Monsieur le Président de la République. Alors, monsieur avec un M parce que c'est le titre. Président avec un P majuscule parce que c'est un titre. Et la République. Ministère de la Santé. On mettra un M majuscule et Santé un S majuscule. Le Conseil des ministres. Ici, on mettra ici C parce qu'il s'agit d'une institution. Par contre, ministre prendra un S. Pourquoi? Parce que c'est un complément du nom. Passer un contrat avec l'État gabonais. Ici, l'État prendra un E majuscule. Pourquoi? Parce qu'il s'agit ici d'une institution. Gabonais prendra un G majuscule. Et je vous dirai pourquoi. L'Assemblée nationale, Assemblée avec un A majuscule, nationale avec un N majuscule. L'Académie française avec un A majuscule et un F minuscule. Pourquoi? Parce que cette fois-ci, que ce soit nationale, française, on mettra un M minuscule, des lettres minuscules. Pourquoi? À cause de la nature de ces mots qui sont des adjectifs qualificatifs. Donc, les adjectifs qualificatifs ne prendront pas la marque de la majuscule. C'est sur cet exemple que nous fermons cette rubrique. Retenons qu'une majuscule mal placée peut être mal interprétée. Aujourd'hui, le projet Voltaire nous propose une série d'exercices
très intéressante. C'est pourquoi je vous invite à suivre ce projet Voltaire. Quant aux embauches prévues, mieux vaut les reporter à une date ultérieure. Ici, dans cette phrase, avez-vous trouvé la faute? S'il y en a, bien sûr. Lisons ensemble. Quant aux embauches prévues, mieux vaut les reporter à une date ultérieure. Bravo, ici il n'y a pas de faute. Toutefois, il faudra faire attention à l'emploi de quand et quand. Quand qui s'amène avec D introduit presque toujours une notion de temps. Quand pensez-vous rentrer? Quand qui se termine avec un T signifie pour ce qui est de et est suivi de A ou de O qui s'écrit avec AU ou AUX. Quant à moi, je te conseille de te calmer. Quant aux livres que tu as commandés, ils ne sont pas encore arrivés. Les contrats sont rédigés par un avocat bien sûr. Alors ici, la phrase contient-elle une faute? Non, ici on n'a pas de faute. Toutefois, rappelons que bien sûr s'écrit toujours en deux mots. Vous êtes bien sûr invité. Que mange-t-on ce soir? Cette question revient fréquemment dans mon foyer. Alors, y a-t-il ici une erreur? Relisons ensemble. Que mange-t-on ce soir? Cette question revient fréquemment dans mon foyer. Oui, ici c'est fréquemment qui est écrit avec A. Alors, comment faire la différence entre fréquemment, A, deuxième E-N-T, et fréquemment avec E, deuxième E-N-T? Pour savoir si vous deviez écrire avec A-M-E-N-T ou E-M-E-N-T, il suffit de reprendre l'adjectif d'origine. Une terminaison en AMT produit un adverbe en AMT. Il mange bruyamment parce que l'adjectif est bruyant ANT. Dans notre cas ici, fréquent se termine avec ENT. Donc, l'adjectif terminé par ENT produit un adverbe avec EM, E, deuxième ENT. Exemple, il l'a frappé violemment. L'adjectif d'origine est violent. La phrase correcte est: que mange-t-on ce soir? Cette question revient fréquemment avec un E, bien sûr, dans mon foyer. La révolution industrielle a vidé les campagnes de leurs paysans. La révolution industrielle a vidé les campagnes de leurs paysans. Oui, ici la faute est à industriel. Pourquoi? Parce que l'adjectif industriel doit s'accorder en genre et en nombre avec le nom qu'il qualifie, c'est-à-dire la révolution. C'est pourquoi ici, on devra écrire avec deux L, E. La phrase correcte est: la révolution industrielle a vidé les campagnes de leurs paysans. Les comédiens ayant joué dans le film Actrice ont posé nu pour l'affiche. Y a-t-il une faute dans cette phrase? Les comédiennes ayant joué dans le film Actrice ont posé nu pour l'affiche. Oui, ici, on a la faute à poser. Pourquoi? Parce que on n'a pas veillé à l'accord du participe passé conjugué avec l'auxiliaire avoir. Quand il est conjugué avec l'auxiliaire avoir, le participe passé ne s'accorde jamais avec le sujet. Ici, la phrase correcte est: les comédiennes ayant joué dans le film Actrice ont posé le accent aigu nu pour l'affiche. Quant à la reprise du travail, ce n'est visiblement pas pour demain. Y a-t-il une faute ici? Quant à la reprise du travail, ce n'est visiblement pas pour demain. Bravo, il n'y a pas de faute ici. Mais toutefois, rappelons que quand avec D indique la notion de temps et quand avec T ici renvoie à ce qui est de. Et il est toujours suivi de la préposition à. Donc la phrase qui nous est proposée est effectivement correcte. Soyez nombreux à vous procurer cette application sur Android, iPad et iPhone. N'oubliez surtout pas de nous écrire sur Canal 7, 7 Prof pour nous proposer des sujets et regarder nos émissions.
Bien, les bons profs nous proposent aujourd'hui de parler des racines carrées. Alors, les racines carrées, ça vous dit quelque chose? À très bientôt sur Canal 7. On va aborder la notion de racine carrée ici avec définition et propriété. Vidéo très rapide. L'idée de la racine carrée est la suivante. C'est que pour tout nombre positif ou nul, attention, la racine carrée d'un nombre négatif n'existe pas. Vous avez déjà vu cette notion en quatrième avec Pythagore. Le principe est le suivant. Vous prenez la racine carrée d'un nombre et vous l'élevez au carré et on retombe sur le nombre lui-même. Voilà. Donc la racine carrée d'un nombre, c'est le nombre qui, élevé au carré, vaut lui-même. C'est une définition un petit peu compliquée, mais quand on l'écrit, on trouve ça plus simple. Regardez le principe. Puisque 3 au carré égale 9, alors racine de 9 égale 3, et ça marche avec tous les nombres naturellement. 7 au carré égale 49, donc la racine carrée de 49 égale 7. Il y a un certain nombre de racines carrées à connaître, celle de tous les entiers, 3 au carré, 7 au carré, etc. Des propriétés très rapidement. Pour n'importe quel nombre A positif ou nul, attention, B ne sera pas égal à 0. La racine carrée d'un produit est égale au produit des racines carrées. Ça, c'est une propriété qu'on utilise énormément. C'est encore vrai pour le quotient. Attention, comme B est au dénominateur, il ne peut pas être égal à 0. Et cette propriété est fausse pour l'addition et la soustraction. D'ailleurs, je ne l'ai pas écrite. La racine carrée de A plus B, ce n'est pas la racine de A plus la racine de B. Voilà pour ces premières notions sur les racines carrées.